Hey ma gang de guitaristes, aujourd'hui je vous montre un superbe riff de guitare au fingerpicking dans une progression d'accords, ça sonne super bien, je vous montre ça à l'instant. Donc, vous allez voir que moi je suis à capo 6, je vais vous mettre la tablature à l'écran, puis ça va être plus facile pour vous. Je vous ai fait la partition. Vous allez pouvoir avoir accès à mon Dropbox si vous faites la demande. Si vous l'avez déjà, ben, tant mieux. J'ai des centaines de chansons. N'oubliez pas de vous abonner et liker cette vidéo pour rejoindre le plus de guitaristes possible. Aujourd'hui, on va travailler le traverse picking. C'est un picking de finger picking que vous pouvez faire, que j'utilise souvent. Et on va travailler ce riff-là par étapes. Même si vous avez jamais joué de finger picking, c'est une belle façon de commencer. Je vais y aller par étapes. OK? Vous ne serez peut-être pas capable de jouer le riff aujourd'hui, mais vous allez voir que ça va vous faire pratiquer bien des choses. Donc, on va y aller par étapes. Puis, dans le riff, vous pouvez voir qu'il y a 8 parties. On va les décortiquer ensemble. OK? Donc, capo 6. A mineur 7e. C'est quoi un A mineur? On s'installe sur le A mineur. Donc, on enlève le 3e doigt. Ensuite, on peut faire le C et on finit sur le G. Bon, ici, je vais vous montrer que le G, on va le faire d'une façon assez spéciale parce qu'on a besoin de notre premier doigt pour aller chercher des notes plus tard. Donc, vous allez mettre votre troisième doigt sur troisième case, sixième corde, et votre petit doigt sur la deuxième corde, troisième case. Oubliez la première corde. La première corde, on l'oublie carrément. OK? Donc, c'est parti. Je vais vous montrer maintenant le pattern que vous devez, le pattern général. Vous allez voir que durant le riff, il n'y a pas toujours le pattern, mais en général, vous avez le pattern, puis après, vous allez décortiquer un petit peu. C'est parti. A mineur 7e. Donc, on vient pour commencer... pincer la corde 5 et 2. La règle générale, quand on fait du traverse picking, c'est qu'on vient chercher avec le pouce 6, la corde 6, corde 5 et corde 4. Et avec les autres doigts, on vient chercher corde 3 avec l'index, le majeur, corde 2 et le troisième doigt avec la première corde. OK? Tout le temps. Donc, maintenant, on vient chercher corde 5 et 2. Ensuite, avec le pouce, on va chercher corde 4 et corde 3 avec le doigt numéro 1. Fait qu'ensemble. Faites juste ça. Ensuite, on revient avec le pouce chercher 5. Ensuite, on revient chercher la corde 2. Et on revient chercher la corde 4. OK, lentement. Ça, c'est le traverse picking. OK? Là, c'est peut-être difficile pour vous, mais allez-y lentement. Vous allez voir qu'au début, vous allez avoir de la misère à faire. Il va falloir vous penser au pattern, mais vous allez voir qu'à force de le faire, ça rentre tout seul, j'ai pas besoin d'y penser, je peux chanter, je peux faire n'importe quoi. OK? Parce que je l'ai tellement fait. Fait que là, si vous êtes à ce niveau-là, vous avez jamais fait ça, installez-vous confortablement dans votre divan, puis faites juste faire ça. Répétez ça. OK? OK?
séparez-les. Puis ensuite, vous pouvez en ajouter un par-dessus l'autre. On continue. Puis vous accélérez. Sur le A mineur 7e. Maintenant, même pattern sur le C. Ok, lentement. Même affaire, c'est juste les doigts à gauche ici qui changent. On change d'accord. Comme je vous disais, le G spécial, doigt 3, case 3, et le petit doigt sur la deuxième corde, case 3. La seule affaire qui change, c'est la tonique ici. On ne peut plus le faire sur la cinquième corde, on vient chercher la 6. Mais le reste est tout pareil. Pratiquez votre G comme ça. Là, on va faire deux fois le A mineur 7e, deux fois le C et quatre fois le G. C'est parti. 2, 3, 4. Lentement. G. Quatre fois. Si vous êtes capable. Parfait, on passe à l'étape suivante, ok? On va faire une variation du G. Là, avec le premier doigt, on vient chercher cette note-ci, le C, qui est première case, deuxième corde. Donc, on lève le petit doigt. Après, on enlève le doigt. Donc, le G que on fait le petit doigt sur la case 3, on vient chercher case 1. Et on enlève notre doigt. Donc, corde à vide. Lentement. Ok, on fait la progression d'accord. Parfait. Maintenant,
Là, on va ajouter les riffs. On va faire la partition étape par étape. Dans le fond, on fait ce pattern-là général, mais vous allez voir que là, on insère des variantes, puis on revient dans le pattern. OK? Donc, A mineur septième, première partie, comme vous voyez à l'écran. Ça, on le faisait déjà. Ensuite, deuxième partie. OK? Deuxième partie. On commence par le pattern. Maintenant, je fais partie 1 et partie 2. Partie 3 maintenant. Là, voyez-vous que partie 3, on ne fait pas nécessairement le pattern. Il faut l'apprendre par cœur. Fait que on part de 2 ici, on fait un hammer on. OK? Oups, j'ai changé. Je vais juste revenir sur ma partition. Lentement encore. Je vais faire partie 1, 2 et 3. Donc allez-y, partie par partie. Partie 1. Partie 2. Partie 3. OK, maintenant, partie 4. Fait que vraiment, là, c'est vraiment la fin de partie 2, partie 3 et partie 4 qu'on doit comme apprendre par cœur. Donc, partie 4. Partie 2. Partie 3. Partie 4. Fait que regardez la partition, installez-vous sur les accords, allez-y lentement, comme ceci. Lentement, lentement, lentement. Là, là OK, regardez vos doigts, ça. Ça, c'était partie 2. Puis je fais juste répéter partie 2 si j'ai de la misère. Lentement, partie 3. Fait que voyez-vous que sur la corde 4, j'installe pas mon... Parce qu'on va faire, on allait faire dans la partie 4 un hammer on sur le 2. Pour faut finaliser le C. Voyez-vous? Je viens chercher la corde à ville, la corde D. On finit sur le G qu'on a déjà travaillé. On retourne complètement sur le pattern. D'accord. Là, après, c'est y aller de plus en plus rapidement. Moi, quand je l'apprenais dernièrement, j'allais pas aussi vite que ça. Mais
tranquillement, j'ai été capable, à force de le faire, d'aller plus vite. Donc les amis, je sais que c'est pas facile, allez-y lentement. Si vous n'êtes pas prêt à ajouter les parties 2, 3 et 4, commencez juste par vous amuser avec le Travis Pink. Ce que vous voulez avec ce pattern-là, c'est ça qui est le fun. Puis ça, c'est un riff pris dans la chanson de Bloom de Paper Kite. C'est un groupe folk. La chanson doit avoir une dizaine d'années. C'est un riff que je voulais vous montrer. Super agréable à jouer. J'espère que ça va vous aider à comprendre aussi le Travis Pick. Donc, mes chers guitaristes, on se revoit pour un prochain tutoriel. OK, bye bye.